Hello tout le monde, c'est Asso. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et on va jouer à Space Engineers. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va plutôt pas mal. Alors attends, faut que je change des choses là. Faut que je change des choses parce que la caméra elle est pas très très bien placée, vois-tu. Alors attends. Ah, ça va beaucoup mieux. C'était un petit peu, mais ça vaut le détour. Alors les amis, j'ai décidé de... Oh yes, l'oxygène il monte aussi, ça y est. Je sais pas pourquoi, il montait pas avant, mais maintenant il monte comme quand tu utilises la medical room. Intéressant, très bien. J'ai décidé de refaire un épisode parce que vous étiez nombreux à aimer un petit peu le jeu quand même. Donc ce que je propose, c'est qu'on se refasse un petit peu deux trois trucs. Qu'on enchaîne un petit peu, n'est-ce pas? Et qu'on voit où on peut arriver, ce qu'on peut faire, etc, etc. Et apparemment j'ai quelque chose en prod. Ouais, absolument. On va arrêter la production parce que j'ai changé et j'ai une nouvelle idée. En fait, la dernière fois, je vous rappelle qu'on s'était arrêté là et que je voulais pimper ce vaisseau. Vaisseau avec lequel je suis venu, etc, etc. On est d'accord. Maintenant, le truc qu'il y a, c'est que je me suis dit, ouais, bon... en fait, le problème qu'il y a, alors le plus gros des problèmes qu'il y a, c'est que ce vaisseau-là, c'est un vaisseau de grosse taille, ok? Et que pour l'instant, dans un premier temps, au début, on n'a pas vraiment... on peut pas vraiment faire quoi que ce soit avec un gros vaisseau comme celui-là. C'est difficile à pimper, etc, etc, ça demande beaucoup de ressources et tout le tralala. Du coup, je me suis dit, hey, pourquoi on pimperait pas et pourquoi on ferait pas un gros vaisseau directement? Un petit vaisseau, directement. Ce qui serait quand même vachement plus simple. Du coup, je suis en train de me dire, hey, pourquoi on démonterait pas une partie? On se ferait une mini plateforme en bas et on commencerait à créer vraiment le premier mini vaisseau. Voilà, de minage, bien entendu, puisque c'est ce qui est important. Alors, pour ça, il va me falloir ça. Mais aussi et surtout, je ne sais plus comment on fait à New Station. Voilà, c'est ça. Il me faut de quoi faire une station. Boum. J'ai perdu de la vie pour ça? Non, ça va. Unit Steel Plate. Ok. Alors, on va chercher de la Steel Plate. Hop. Tout ça dans le cargo container, bien entendu. Et on va se créer. Oh là 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 là, t'es bourré ou quoi? Et on va se créer notre première. Non, j'ai planté? Ah non, j'ai un putain de lag. Ok, très bien. Tout va bien. Et on va se créer notre première station qu'on va mettre contre une paroi de la voilà de la zone où on se trouve actuellement. C'est-à-dire ici quelque part, je ne sais pas où encore. On va essayer de se faire ça proprement quand même. Bon. En même temps, c'est qu'un début, on pourra toujours replacer par la suite, etc. Le problème, c'est que c'est pas très droit ici, hein. Bon, en même temps, on peut être droit, puisque, ouais, en même temps, on est dans l'espace. Alors, dis-moi que j'ai oublié mes outils, maintenant. Non, j'ai le welder. Très bien. T'es où? Oui, weapon and tools, voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça du tout. Character tools, ouais, c'est ça. Alors, on va mettre ça là, on va mettre ça là. Parfait, deux... Alors, on va commencer à construire. On va pas construire l'entièreté du truc, hein. Je veux juste une base. Voilà. Voilà, je veux juste un début de truc, histoire de pouvoir poser un premier pied de vaisseau, j'allais dire. Voilà, très bien. Ça suffira pour l'instant. Et je vais pas les construire même. Je vais les laisser comme ça, parce qu'on en a pas vraiment l'intérêt. On va déplacer le vaisseau, que si je le retrouve, c'est mieux. Voilà. On va déplacer le vaisseau, on va le mettre un peu plus bas. Près de la station. Ok. Bon, est-ce que ça vole toujours cette histoire? Ça devrait. Alors, on va le tourner d'une certaine manière à ce que. Voilà. Alors, je le rapproche juste histoire d'éviter de faire des allers-retours et trop d'allers-retours en fait sur tout ça. Hein, parce que j'ai pas envie de me prendre trop la tête. Oh. Merde, j'ai déjà touché, tu vas me dire? Ah ouais, peut-être. Ouais, non, mais c'est sûr même en fait. Très bien. Ah, pas de problème, y'a pas de problème. Alors bien sûr, le but étant de démonter ce vaisseau-là par la suite. Merde, ah, je suis carrément dessus en fait. Très bien. Ok. Bon, on va laisser comme ça.
Le but étant bien sûr de démonter une bonne partie de ce vaisseau pour ensuite en faire quelque chose d'intéressant quoi. Donc on va démonter ça également. Alors est-ce que j'ai encore de la place moi dans mon volume 301? Alors au mieux tu dépasses pas le volume bien sûr, au mieux tu ne dépasses pas le volume de ton inventaire, sinon les pièces commencent à voler dans la salle et c'est un poil chiant. Donc on va mettre tout ça ici, tout ça j'en ai besoin. Maintenant on va commencer à crafter, j'allais dire, en partie, notre vaisseau et savoir de quoi on a besoin. Donc on va chercher dans les hull blocks, new small ship. Hop, donc ça, c'est quoi? Unit construction component. Très bien. Donc on va chercher des constructions components. Construction component, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va en prendre 20. Ça devrait suffire. Du moins dans un premier temps. Qu'est-ce que je fous à chaque fois, moi, quand je sors de ce truc-là? C'est incroyable. Ok. Et on va le poser sur la plateforme, bah, justement, de création. Voilà, qu'on a fait au préalable. Parfait. Maintenant, on a un pied. Alors, le pied, c'est what? C'est juste un truc, histoire de pouvoir être collé à une surface, hein. Vous pouvez voir en bas à droite qu'il nous faut pas mal de choses, hein, n'est-ce pas? Comme large steel tube, moteur, steel plate, etc., etc. Enfin, il nous faut pas mal de choses. C'est pas grave, pour l'instant, on va faire... Et on va construire, si je le peux... Steel plate, putain, hein, sérieux? On va commencer à construire la structure de notre vaisseau. On va en prendre 40. Ça suffit, parfait. Youhou! Nice. On peut peut-être construire encore un petit peu. Ah non, d'abord il faut d'abord le large steel tube. Ok, très bien, parfait. Pas de soucis. Et on va commencer à construire la surface et la base de notre vaisseau de minage. Alors bon, c'est pas très malin d'avoir mis ça de ce sens-là. Ouais, c'est pas très malin d'avoir mis ça dans ce sens-là. Alors on va démonter ça. On va se refaire... Merde, pardon, excusez. New small ship, voilà, très bien. Et on va le tourner, que je ne sais plus comment, voilà, c'est ça. Hop, nice. Est-ce que là c'est bon? Parce que là j'ai assez de surface vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche et vers la droite. Ouais, c'est parfait. Très bien, on peut continuer donc à construire. Cet épisode, les amis, paraîtra en plein milieu de mes vacances, donc probablement que, voilà, hein, je fais... C'est pas un épisode de découverte, c'est vraiment parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué au jeu, que j'ai bien accroché de nouveau, et que j'avais juste envie de vous montrer encore un peu plus de choses, ce qu'on peut faire avec, etc., etc. Donc vous voyez la différence qu'il y a entre un small ship et un large ship, hein, au niveau de la case, tu vois la diff, hein, très clairement. Bon, voilà. Celui-là on peut le construire complètement, ça vaut que un steel plate. Et voilà pourquoi je décide de construire en fait un petit vaisseau et pas un gros. Des avantages du petit vaisseau, c'est que c'est... Déjà bah c'est vachement plus petit, ça c'est un fait. Mais également c'est moins stable, voilà. C'est plus maniable mais c'est également moins stable. Donc quand on va miner, on va devoir être quand même relativement prudent à ce que, ben, à ce qu'on ne défonce pas la moitié du vaisseau quoi. Tout simplement. Mais ça, ça va le faire, hein, ça va le faire. Pas de soucis par rapport à ça, on va y arriver. Hop, on construit notre structure de base. On va pas faire dans le fou, hein, les amis, au début, hein, clairement. Hein. On va faire ça proprement, mais on va faire un truc simple. Voilà, c'est le concept en même temps. Parfait. Alors on a une première, j'allais dire une première, un début de vaisseau, hein, voilà. C'est très bien, on va quand même poser encore une petite lignée de... Voilà, parfait. Deux cubes derrière. Nice. Ok. Maintenant, il va falloir commencer à réfléchir, les amis. À réfléchir à quoi? À où on place nos différents trucs de minage, à savoir où est-ce qu'on va mettre notre cockpit, etc., etc. Parce que, ouais, il va falloir qu'on place différentes choses. Fighter cockpit, c'est pas du tout ça qu'on veut. Il est où le cockpit standard, dis-moi? Hein. Cockpit block, voilà, parfait. Cockpit, tout simplement. C'est ça qu'on veut. 6. Il nous faut de l'intérieur plate pour ça. Unit intérieur plate, bien entendu. Ouais.
Alors, comment on va faire pour placer tout ça? On pourrait se faire un espèce de cube, en fait, avec de la structure également autour, etc. Que je vais d'ailleurs en avoir besoin de cette structure autour. Et mettre également 4 tourelles de minage sur les côtés, bien sûr, qui partent en avant, puisque c'est ça le concept, hein. Réfléchissons. Bon, on va déjà... Merde, pas. Excusez, on va déjà chercher l'intérieur plate. Oh, non, ça va. On va faire le plein de tout et de rien. Putain. Alors, je crois que ça vient de l'autosave. Bien que je n'ai pas l'autosave active, hein. Mais l'autosave vous fait exactement la même chose. Donc, c'est un petit peu bizarre de pourquoi. Mais bon. En même temps, c'est encore une... Je sais même pas si c'est encore en bêta, ce truc-là. Je sais même pas où ça en est, d'ailleurs. À ceux qui ont nouveau fait cette voie, on est d'accord. La bêta est sortie en 2013, il me semble. Là, je pense qu'ils sont, plus vraiment en bêta, quand même. Faut pas déconner. Enfin, remarque, quand tu regardes DayZ, moi je ne dis rien, ma gueule, mais bon, voilà quand même. Hein. Ok, on va mettre ce cockpit là. Ok, j'ai besoin d'un moteur ensuite pour construire le reste, etc. etc. Bon, très bien. Ok. Non, t'es sérieux? Encore? Non, faut pas déconner. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Honnêtement, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai pas envie de commencer à réfléchir à savoir où, etc. etc. On va faire comme ça pour l'instant, et voilà. Production bloc. C'est pas la production qu'il me faut, c'est small bloc. Ah, les small blocs, filtré, pardon. Putain, je vais y arriver. Filtré comme ça, c'est beaucoup mieux. Voyons voir. Ah, c'est ça qu'il me faut. Il me faut un drill. Drill qui permettra, bien entendu, de miner. Alors. Donc, comme on peut le remarquer et le constater. Le drill n'est pas du tout bien placé là. Là non plus il n'est pas bien placé d'ailleurs. Ok, on va devoir sortir un petit peu. Alors est-ce que de 1 ça suffit ou pas? De face ça donne quoi? Ouais. Alors il aurait fallu le mettre à hauteur de cockpit je pense. Quelque part par là, éventuellement. Qu'est-ce que ça donne comme ça maintenant? Allez, on va déjà le poser, on verra bien. De toute façon, ça nous coûterait rien. Tant qu'on construit pas, ça coûterait rien. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Est-ce que vous voyez le concept du truc? Est-ce que vous. Voilà, c'est un peu ça l'idée. De où on va? Et bien sûr, j'aimerais en rajouter encore d'autres. Hein. D'ailleurs, je vais déjà les poser et les construire. Enfin, les poser dans un premier temps. Construire, on verra ça tout à l'heure. J'ai plus de steel plate, c'est ça? Si, j'ai encore de la steel plate. Bon, alors, j'ai pas envie de trop construire derrière, puisque en même temps, on va devoir supprimer ça tout à l'heure. Ouais. Alors il y a un truc qui m'ennuie un petit peu. Bon, on verra ça tout à l'heure, mais ouais, c'est ça. Quelque chose dans ce genre là. C'est ça. C'est exactement ça, l'idée. Ouais, ça paraît bien. Ça paraît pas mal. Bien sûr, il va falloir qu'on remplace les cubes qui sont ici. Donc je vais devoir tout démonter de nouveau, on est d'accord. Mais c'est juste pour avoir une petite vision du truc. Mais les cubes qui sont là, on va devoir les remplacer par du tuyau. Voilà, on va mettre du tuyau à la place. Histoire de pouvoir tout relier et tout linker ensemble des directions. Direction, je ne sais pas encore où. Direction l'arrière du vaisseau, probablement. Par la suite, pour vider le vaisseau, etc. etc. Voilà, on va faire un truc bien, les amis. On va faire un truc cool. Hein. Très clairement. Je ne sais pas si ça suffira dans cet épisode, mais on va voir ce qu'on peut faire. Alors, on va démonter tout le bordel de nouveau. L'idée me paraît ok. En même temps, j'aurais pu laisser ce truc pour me donner une petite idée, une indication. Bon, on va laisser le reste. Pour me donner une indication et faire juste un seul côté pour l'instant.
Alors, on va démonter ça, on va démonter ça. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est du Toyo. Et le Toyo, on le trouve où? Le Toyo, on le trouve là. Small Conveyor Tube, c'est ça qu'il faut. Donc, 8. Et on va placer ça, on va placer ça, on va placer ça. Là. Cool! Une pluie de météorites qui arrive, c'est génial! Rien à foutre, mon pote. On est dans notre caverne. On n'a rien à craindre. Enfin, du moins pour l'instant. Hop, bam, nice. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une entrée. Il y a des entrées de Toyo juste là. Alors bon, ça c'est la grosse version de minage, hein, on est d'accord, hein, le machin il est énorme. Mais vous pouvez voir juste en face la double porte jaune. Voilà, ça c'est une entrée de convoyeur. Vous avez également l'entrée qui est là. Vous avez bien entendu une entrée qui est également en dessous. Complètement dans tous les sens en fait, si tu veux. Hein, voilà, donc t'en as un peu partout du truc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et holy Jesus, il me l'a pas mis au bon endroit. Ah, attends, ouais voilà, ça me paraît bien là. Exactement mon pote. Voilà, donc il va falloir qu'on construise un petit truc comme ça. L'idée là voilà. Il me faut des larges steel tubes. Il va falloir que je regarde comment on peut crafter ça. Ça va certainement pas être très compliqué, mais bon. Construction component et large steel tube il me faut. Ok, alors attends, on va déjà aller voir pour ces larges steel tubes. On va envoyer ça dans le craft. Production, large steel tube, voilà, parfait. Donc on va en produire une petite vingtaine. Quelque chose comme ça, voilà. On va produire également des trucs comme ça. On va produire également des trucs comme ça. Et des trucs comme ça. Ah ça y est, j'ai déjà plus rien. Ok, oh, très bien, très bien, très bien. Oh, c'est parfait. Je suis dans la merde. Intéressant. Bon, y'a pas de problème. Y'a pas de problème, mon pote. Comment te dire? Non, pas 212. C'est déjà, j'en ai pas 212. Et 2, ça suffira. Bon, très bien, on verra. On va s'arranger, les amis. On va s'arranger. Je sais pas encore où est-ce qu'on va récupérer les steel tubes, mais on va en récupérer quelque part. D'accord, le drill il coûte super cher à prod. Alors l'avantage qu'on a c'est qu'on a également le vaisseau qui est là pour démonter hein. Le truc qu'il faut c'est juste ne pas démonter les choses qui sont importantes. Genre merde, putain je vais à chaque fois me planter hein. Les trucs il faut justement, faut pas qu'on démonte les trucs qu'il faut. C'est à dire par exemple les cargos containers, les choses comme ça. Ça c'est des trucs qu'il faut pas démonter hein, les amis hein. Voilà. On va démonter la carcasse, on va démonter ce qu'il y a autour. On va démonter les réacteurs également, on va démonter pas mal de choses. Mais on ne démonte pas le tubage, si je peux appeler ça comme ça, qu'il y a à l'heure actuelle, parce qu'on va en avoir besoin ça hein. On va en avoir grandement besoin. Maintenant, comment on fait? On va rajouter un morceau de tube juste là. Voilà, comme ça. Ici on va changer, on va pas mettre un morceau de tube standard. On va mettre un morceau de tube carré, c'est à dire un small convoyeur. Ouais, c'est ça. Sorteur, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un item que je ne connais pas. Convoyeur sorteur. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors on a des pistons, ou non des rotors même. Des morceaux de rotor. Des block timer, des boutons panel. Il y a des choses que je ne connais pas du tout les amis hein. Mais vraiment, il y a des choses que je ne sais pas. J'ignore. Alors on a la couleur, je ne sais plus d'ailleurs non plus comment on la change la couleur, c'est intéressant ça. Ouais bon on verra ça plus tard, spotlight ouais. Warhead. Beacon, antenne, contrôle panel. Mon dieu, je ne sais plus. Une batterie, intéressant ça. Ça peut être sympa ça. Bien, bah bref, on verra ça tout à l'heure. Mais vraiment les amis, il y a des choses que je ne sais plus du tout à quoi ça sert. Va falloir que je me rappelle. Mais ouais, concrètement, je ne sais plus. Bref, on pose le convoyeur ici. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que ben, forcément le convoyeur, il y a des sens. On peut poser des tubes dans tous les sens. Et donc du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est poser un tube là-haut. On va juste devoir changer le sens du truc. Voilà, parfait. Exactement. Hop. Que me manque-t-il? Rien du tout. Ok, très bien. Voilà. Alors, combien j'en avais posé avant? Je ne me souviens plus. Need steel plate. Ok. Décidément. Ah, j'ai besoin de steel plate. Regarde comment on fait.
Voilà, c'est bon, j'en ai de la steel plate. Me fais pas chier. Oui, oui, parce que bon. Hein, tu vois ce que je dis. Alors, ok, dac, bam. Je vais juste retester un coup, hein, parce que je ne sais plus. Parce que comme un con, à ce, hein, il a tout enlevé, quoi. Est-ce que c'est la bonne hauteur, ça? Je crois que c'est la bonne hauteur, ouais. Ouais, il me semble. Bon, bah, on va faire comme ça. Donc là, pareil, on remet un... Non, là, on n'est pas obligé de mettre un convoyeur, parce que convoyeur, ça prend plus de ressources. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un angle, en fait, à la place de mettre le convoyeur ici. Cockpit, j'en ai plus besoin, on va l'enlever. Mais le concept, c'est quoi? C'est mettre ça comme ceci. Alors, bien sûr, dans l'autre sens. Ça me paraît bien. Voilà, parfait. Exactement, c'est ça qu'on veut. Maintenant, on rajoute de nouveau du tube. Pour faire quelque chose comme ceci. Comme ceci. Et là, on se met à nouveau notre truc de minage, chose machin là. Bam! Nice. Alors ça tient quasiment pas, on est d'accord. On solidifiera par la suite. Voyons voir. Eh ben c'est pas mal. C'est l'idée, c'est l'idée. Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal du tout. Bon, va falloir qu'on construise tout ça après, hein, mais on a au moins la structure de base. Bien, on va démonter tout le bordel qui est là, du coup, et on va, bon, on va faire la même chose. Non, pas le cockpit, mon chou. Pas le cockpit, mon chou. Maintenant, comment j'ai fait ici? Ouais, le tube d'abord. Alors, 8, on est parti. Quelle hauteur? Celle-ci. Bam. C'est ça? C'est absolument ça. Ensuite, on se remet notre petit truc de minage, là, tout mignon. Si toutefois tu veux bien te mettre dessus, voilà, parfait. Tu es un génie. C'est parfait. Ok, ensuite, on enchaîne. Hop, ici, on met un convoyeur, parce que forcément, on va partir dans l'autre sens juste après. Pourquoi tu es rouge, dis-moi? Intérieur plate, ok. Décidément, tu m'emmerdes. Décidément, tu m'emmerdes. Intérieur plate, intérieur... Ah putain, je croyais que je n'avais plus d'intérieur plate. Je croyais que je n'avais plus d'intérieur plate, je vais y arriver. Fantastique, fantastique, regarde-moi ça. Ok. Hop, convoyeur, qu'on place là. Ensuite, on remonte avec notre tuyau là. Alors, on pourra se mettre en première personne, ça peut-être plus simple pour construire et pour crafter. Moi, j'avoue, c'est vrai, c'est plus simple. Plutôt qu'en troisième, c'est parfait comme ça. Avec les boutons, avec le bouton fin, page haut, page bas, début, etc. Vous pouvez tourner vos objets, hein, si jamais vous vous posiez la question. Si toutefois vous avez le jeu et que vous commencez. Voilà. Eh ben on y est. On y est. C'est notre premier et notre départ de vaisseau, voilà, de minage. On va pouvoir se mettre encore un petit spotlight, je pense. Quelque part là au milieu. Je sais pas si on... Alors bien sûr, il nous faudra un gyroscope également. Enfin, il nous faut plein de choses là maintenant. Il nous faut énormément de choses, il nous faut un éjecteur également pour les ressources par la suite. Il nous faudra de l'énergie, il nous faut plein de choses. Là, on est loin d'avoir fini, les amis. Ouais, en fait, dans un épisode, ça passera peut-être pas. Est-ce que j'en fais un autre après? Telle est la question. Telle est la question. Bon, on va mettre spotlight. Je sais pas si ça passe. Si, ça passe. Nice. Alors le spotlight c'est important, pourquoi? Parce que le spotlight c'est un truc qu'on va avoir besoin pour voir où on mine, c'est très important. Parce qu'on va souvent aller dans des choses un petit peu perdues, enfin en plein milieu de rien. Genre là c'est quand même pas très... C'est un truc à récup ça? Oh merde, intérieur plate. Salut, merci, ça fait plaisir. Ouais, c'est quand même, vous pouvez voir, c'est quand même assez sombre, hein, remarquez, voilà. Donc du coup, on va quand même se mettre deux ou trois bons spotlights, et voilà, histoire de... Maintenant, comment on enchaîne? Alors, ce qui serait bien, je pense, c'est de linker les tubes entre eux. C'est-à-dire d'en faire qu'un seul de tube. Beaucoup plus simple, et beaucoup plus rentable aussi, au final, puisque moins t'as de tubes, moins t'as de choses, mieux c'est. On va donc passer et faire un mode tournant, là, vite fait. Alors, attends, ça, c'était bon. Par contre... Ouais, comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Ensuite, ici... Je vais pas y arriver, hein.
Ah si, ça y est, c'était là. Parfait, 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 parfait. Ok, on va mettre deux morceaux de tube juste ici. Hop. Et ici, on va mettre un convoyeur que je n'ai plus. Que j'ai remplacé par le spotlight, damn it. Nous y voilà, parfait. Et ensuite, on continue avec du tube. Et un seul tube juste là. Fantastique, regardez-moi ça. Du coup, on a tout linké. On a linké les 4 têtes de minage direction, la direction un cargo en fait. On va mettre 2 ou 3 bons cargos peut-être. On va pouvoir ranger plein de choses, etc. etc. Et la structure de notre vaisseau sera de cette forme-là. On verra ensuite comment on peut solidifier. On va faire peut-être un cube, je ne sais pas encore vraiment. En tout cas, maintenant, il va falloir qu'on s'amuse à construire, les amis. Ouais, ça va nous prendre beaucoup de ressources, cette histoire. Alors, il me faut des moteurs, il me faut un large steel tube. Il me faut des computers et il me faut des steel plates. Alors, on va voir ce qu'il nous faut en production pour faire tout ça. Je vous avais dit qu'au début, ça allait être très très long. Mais jusqu'à ce qu'on ait ce vaisseau de minage, en fait. Une fois qu'on a ce vaisseau de minage, les choses vont être beaucoup plus simples. Dans le sens où il suffit de rentrer dans le vaisseau, aller grinder un peu d'astéroïdes. Là, tu reviens complètement plein et tu déverses le tout dans la salle de prod. Et là, tu vas juste ici et tu fais tac 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 tac. Et tu choisis ce que tu veux et c'est bon, ça règle. Malheureusement. On n'y est pas. Donc on va devoir se démerder avec ce qu'on a pour l'instant. Je suis en train de voir ici qu'il nous faut beaucoup de iron. L'iron, c'est pas vraiment un problème. Il nous faut du nickel également. Ça, c'est un autre problème. Iron, nickel et du silicone. Bon. Il va falloir peut-être qu'on aille faire un tour sur une autre astéroïde. Ou alors qu'on se récupère peut-être. On se récupère ça déjà. Caractère tool, tac. Hop, on va mettre ça là. Parfait. Et on va. Alors, il y a 7 possibilités. Ou alors on démonte le vaisseau quoi ici. Je serais plus motivé à démonter le vaisseau en fait. Ouais, je serais plus à démonter le vaisseau. Ça nous prendra moins de temps, je pense. Merde, putain, le helmet. Décidément, et je vais me faire avoir à chaque fois, hein, très clairement. Donc, on va démonter quoi? On va démonter un truc qui vaut beaucoup, donc peut-être la porte en fait. Ouais, on va démonter la porte. Donc on fait toujours attention au volume en bas à gauche, je vous rappelle que vous êtes limité à 400 litres les amis. C'est quand même, ce qui est quand même pas mal, remarquez. Mais là on... Oh putain, le lag. Mamma mia. Et vous voyez que des fois ça monte très rapidement. Hein. Parfait, on a démonté la porte en entier. On va bien sûr, à chaque fois qu'on démonte un truc, on ramène tout à la maison. Donc la porte, c'était plutôt pas mal comme idée. Maintenant on va démonter, alors on va démonter la structure. Bien que la structure, encore une fois, on n'en ait pas vraiment besoin. Si vous commencez à démonter les réacteurs, soyez extrêmement vigilants. Encore une fois, nous sommes dans l'espace les amis. Ce qui veut dire qu'il nous faut un réacteur dans tous les sens. Ce qui est normal. Parce que si on part en avant et si vous n'avez pas de réacteur dans l'autre sens, et comment tu freines? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est important. C'est important d'avoir des réacteurs dans tous les sens. Très important même. Donc ce qu'on fait, c'est que si on démonte un réacteur, on en démonte qu'un seul sur les deux. C'est important, c'est important. Bon, on va se mettre un petit peu de santé. Comme vous pouvez voir, le medical bay qui a énormément de choses. Malheureusement, sans medical bay, on meurt. Du coup, on va quand même garder ce medical bay. Ça me paraît judicieux. On pourra démonter le cockpit, mais après, je n'aurai plus d'accès. Ou alors, si j'aurai un accès, forcément, mais bon, ce serait pas génial. Pour notre truc, quoi. Alors, les réacteurs latéraux, je suis obligé de les garder. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux démonter un réacteur arrière. Voire deux, même. Navré. What? Dur. Merde. J'étais à 400 déjà. Dur. Alors attends, est-ce qu'on peut passer par là? Oh putain, ce helmet, je te jure, je vais péter un câble. Ouais, on peut passer par là. Ok, on met tout là-dedans. Est-ce qu'on n'a pas un moyen de tout rassembler ensemble? Genre un truc, un espèce de filtre qui dirait hey, mets tout ensemble. Non, y'a pas ça? Non, dis-moi qu'ils n'ont pas pensé à ça.
Ah bah si, visiblement c'est fait. Ok, soit, très bien. On continue notre démontage. Oh putain, oui, d'accord. Ouais, en fait c'est le large steel... Même pas, non. Je pensais que c'était le large steel tube qui faisait queue, mais pas du tout. Waouh. J'espère que j'ai rien foutu dans le vent. Ce serait bien. Putain de merde. C'est fou quand même, hein, vous avez vu ça? Incroyable. Ouais, bon, on verra pour le tri tout à l'heure. En fait, on peut travailler comme ça, ça va beaucoup mieux. Vu qu'on a de la gravité dans notre vaisseau, forcément la gravité est un petit peu autour également. Bien, on a un réacteur de moins, ça fait plaisir. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut démonter d'autre encore dans ce bordel? Alors on a un pack d'énergie juste là-bas. On a un gyroscope juste là. Il y a différentes choses qu'on va devoir démonter. Ah, en même temps, le vaisseau va y passer. Hein. Il y a un moment ou un autre, le vaisseau va y passer complètement. Et c'est normal. C'est normal. Puisqu'on ne va pas en avoir l'utilité. On va peut-être plutôt préférer se faire une base. Ouais, on va peut-être plutôt préférer se faire une station directement. Ce sera plus simple. Alors. Hop, hop. Hop, parfait. Le problème c'est qu'on n'a pas de moteur là. Il nous faut des moteurs. Et ça c'est un truc qu'on n'a pas, je ne sais pas où en trouver. On va peut-être quand même devoir aller miner un petit peu. Donc comme, encore une fois hein, je vous le rappelle les amis, je vous le disais avant, on est dans une survie. Ce qui veut dire que c'est extrêmement long. Ok, c'est... putain, et c'est normal. Wouhou. Dépasse pas trop, ça dépasse pas trop. Bon, on a beaucoup de large tube et ça c'est plutôt pas mal. Une fois le vaisseau de minage complété, encore une fois, on va avoir beaucoup plus de liberté. Également, on n'est pas obligé de tout finir dans un premier temps. Hein. On n'est pas obligé de faire tout le vaisseau de minage tout de suite. Ce qu'il nous faut dans un... allez, alors assez rapidement, ce sont... c'est de l'énergie, c'est des réacteurs. Enfin, c'est tout ce que le vaisseau a besoin en fait pour décoller et pour commencer à miner. Ensuite, le stock, etc. et le fait de pouvoir éjecter les ressources, on peut toujours rajouter par la suite. C'est pas un problème. Comme vous pouvez le voir, tout est connecté ici également. Alors là, on a quelque chose d'intéressant. C'est quoi ça? Ça, c'est le collector. Collector que je vais laisser en fait pour l'instant. Ouais, on va laisser le collector. Parce qu'on va en avoir besoin du collector. On a quoi ici? Le container, ok. Bien, on a toujours pas de moteur. Il faut que je trouve un endroit où je peux trouver un moteur dans le coin. Donc toutes les structures pour l'instant, je vais devoir les mettre de côté et les garder. La raffinerie également, bien entendu. Ça c'est, je ne sais plus ce que c'est. Non, putain, je sais plus ce que c'est. Ah oui, le générateur d'oxygène. Oui, bah tiens, toi, un peu. Un peu, mon neveu. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut démonter ici? Bon, mis à part la structure, hein, puisque ça, la structure, c'est uniquement du steel plate. Et j'ai pas forcément le besoin de ça. On peut encore démonter un réacteur ici. Enfin, on peut démonter le réacteur qui est là, éventuellement. Faut aussi qu'on regarde si on n'est pas plein dans notre... Oh, 15 000, on est large. On va démonter celui-là. Donc on récupère beaucoup de pièces différentes. Ça, c'est très bien. Donc vous imaginez combien de temps ça prend pour construire également. Hein. Au vu de ce qu'on ramène dans notre petite besace à chaque fois, vous pouvez imaginer le temps que ça prend à construire. Et là encore, il y a une parade, c'est de faire le même vaisseau qu'on est en train de faire pour le minage, pour le craft. Ouais, parce que c'est possible de le faire. De pouvoir tout récupérer, de pouvoir mettre tous vos items dans le petit vaisseau et ensuite de pouvoir crafter avec ce petit vaisseau de la même façon que vous minerez en fait, que vous minez votre truc quoi. Pareil, même principe. Donc plutôt sympa quoi. On a deux moteurs seulement, putain.
deux moteurs, c'est ridicule. Va falloir que je... Alors je vais vérifier à la prod ce qu'il nous faut pour le moteur. Et on va faire un tour aux alentours pour voir si on peut pas trouver ce qu'il nous faut pour le moteur. Prod, il nous faut des computers aussi, donc il nous faut du silicone. Là il nous faut du nickel. Ouais. Du nickel et du fer. Bon. Ça va être coton, hein. Moi je vous le dis clairement, ça va être assez coton cette histoire. En plus on peut pas sortir maintenant parce qu'il y a une chute de machin, de météores, de trucs. Alors vous pouvez définir et savoir qu'est-ce qui est quoi en juste en regardant la couleur de votre minerai, hein, tout simplement. Donc là par exemple je sais que c'est du fer. Techniquement. Où est-ce qu'il est parti lui? Ah t'es là. Inventory full. Alright. Putain j'ai perdu le vaisseau, tu me crois? Sérieusement? Mamma mia. Ok, hop. Et on est parti dans la raffinerie directement pour en faire des lingots. Ça va relativement vite, hein, remarquez. Hein. Ça va relativement vite. Le problème, c'est qu'on est déjà chargé à 145 litres juste avec l'arme qu'on a sur... Enfin, l'arme. L'outil qu'on a sur nous. Donc c'est un peu ridicule, c'est un peu n'importe quoi. J'en suis conscient. Voyons voir ce que c'est que ça. Je crois que c'est de l'oxygène ou de l'eau ou un truc du genre. Il y a de la caillasse qui est en train de voler quelque part, ouais, voilà, j'allais dire. Donc appuyez sur T, hein, comme des oufs. Hein. Ah, de l'iron, ok, ouais, très bien. Oui, bon, ça je l'avais déjà. Voilà, iron, ouais, très bien. Appuyez sur T comme des oufs hein, quand vous êtes en train de... Quand vous êtes en train de miner. Ouais, donc il nous fait du gravier, ça c'était de la pierre, très bien. Donc le blanc c'est de la pierre, le rouge c'est de, comment dire, du fer, très bien. Maintenant on va voir un petit peu ce qu'on a là-bas. Alors déjà il y a du noir, je sais pas ce que c'est le noir là, on va vérifier. Oh putain, j'ai failli mourir comme un gros con. Silver, nickel, ah on a du nickel là. Il est où le nickel? C'est ça le nickel? Ok. On dirait que oui. Ah ouais, c'est du nickel, parfait. Parfait, parfait. Bon, très bien. Au moins, on n'est pas allé trop loin pour aller en récupérer. Maintenant, faut se retrouver une petite entrée là pour se squeeze à l'intérieur. Faire gaffe à notre énergie également, enfin faut faire gaffe à tout, hein. De toute façon voilà, on est un petit peu un survivant dans l'espace, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Interesting. Ah bah c'est de l'or en même temps, vu la couleur, c'est pas con. c'est pas idiot, j'avoue. Voilà, où est-ce qu'on peut rentrer nous par ici? Alors on pourrait se creuser un trou, remarque, mais bon. J'aimerais garder la structure plus ou moins entière de cet astéroïde. Plus ou moins, je dis bien. Et je sens que ça va vite me saouler. Ah non, ça y a une entrée là. Alors, ce qui serait intelligent de faire également, les amis, c'est une balise. Ouais. Bah une balise, pourquoi? Parce que ça vous permettrait de savoir exactement où vous êtes. Ça, c'est un truc qui est assez intelligent également à faire. Assez rapidement. Après, remarquez, je crois que j'ai une balise... Ok, donc là, il nous produit du nickel, c'est parfait. Je crois que j'ai une balise, remarquez, dans le coin là. Est-ce que j'ai une balise intégrée au vaisseau? Je sais plus, on va checker. Ouais, on va voir. Contrôle panel. Le terminal n'est pas connecté à aucun vaisseau. Intéressant. Intéressant. Contrôle panel, ouais, voilà. Et non, tiens. Non, il n'y en a pas. D'accord. Bon, bah, c'est pas grave. Juste rapidement, qu'est-ce qu'il nous faut pour la prod? Small block, caractère. Bon, on va mettre dans all block parce que je sais pas où ça se trouve. Beacon, c'est ça. Ah ouais, il nous faut énormément de choses pour la prod.
Radio communication component, etc. Tralala. Ouais, non, t'as craqué, mon pote. T'as complètement craqué. Parfait, très bien. Donc, on va pas la prod. Dommage. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Voyons voir. Ah bah, en fait, on a un petit raccourci, là. Montre-moi juste où c'est, plus ou moins, que je me retrouve. Ouais, voilà. À peu près, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bleu, là, juste ici? C'est du magnésium. Est-ce que c'est bien ça? Non, pardon. Pas du tout. Ouais, c'est du magnésium. D'accord, très bien. Ok, bon, c'est pas vraiment ça qu'on veut. Magnésium, iron, tralala. Iron, magnésium. Iron, silver. Nickel. C'est du nickel qu'on veut. Parce que le fer, on peut le récupérer où on veut un petit peu, hein, les amis. Hein, donc, Ok, on est plein. Eh oui, ça va vite. Où est-ce qu'il était, mon super trou, là? Là, le voilà. Parfait. Ouch. Super, regarde-moi ça, sensationnel. On est super rapide. Ouais, on peut carrément mettre ça à l'intérieur, ici. Directement. Parfait, pendant ce temps, lui, il fait la prod et nous, on se casse. C'est quoi, ça? Merci. Je sais pas ce que c'est, mais on prend. Allons-y. Poursuivons. Donc, le nickel se trouvait juste là. Ah, doucement, bon, pas doucement. Merci. Merde, reviens là. Bon, après, les déchets, les différents déchets, etc. Encore une fois, c'est dans les options de votre jeu. Vous pouvez définir qu'une fois, qu'il y a trop de déchets dans l'espace, que ce soit automatiquement viré. Et ce qui est vachement bien pour les performances, hein, très clairement. Y'a rien qui vole là? Non, y'a rien qui vole. Ok. Y'a là. Inventory full. Alright. Ça roule, ma poule. Hop. Ok, voyons voir. On balance tout à l'intérieur là. Ah! Et on peut voir que ça commence à prendre du temps pour faire du nickel, par exemple. C'est intéressant, c'est bon à savoir. Alors, on va mettre tout ça dans l'assembleur directement, le gravier également, le nickel également. Et on va voir ce qu'on peut prod maintenant. Alors, on peut faire du moteur, ça y est. Pas beaucoup, mais on peut en faire. Bien, on va récupérer encore un peu de fer, par exemple. Inventory pool. Ouais, je sais. Encore un mini lag. Hop, le fer qui est automatiquement transféré. Alors, le nickel prend énormément de temps dans la raffinerie. On peut peut-être mettre le fer en prumps, histoire que ce soit fait. Ça également. Comme vous pouvez le voir, le fer ça va relativement vite. Hein. Par contre, là, le nickel prend énormément de temps. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas un problème. C'est juste que c'était bon à savoir, d'ailleurs, accessoirement aussi. Que ça prenait énormément de temps. Bon, du coup, on va changer d'outil à nouveau et on va se mettre en mode construction. Et je pense que je vais arrêter mon épisode ici, les amis, parce que c'est relativement long déjà maintenant. J'espère que... Encore une fois, vous comprenez le fait que ce soit extrêmement long. En mode créatif, ça aurait été moins drôle, on est d'accord. Ça mériterait éventuellement une série, mais je sais pas si vous êtes chaud ou pas. Ça dépend de vous. Mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud, si vous seriez chaud pour une série par rapport à ça. On pourrait faire pas mal de choses. Hein, dans un premier temps, bah, encore une fois, ce serait du craft, enfin du moins ce que je suis en train de faire maintenant, jusqu'à ce que Monsieur en bas là soit terminé. Ensuite, on évoluera notre truc. On fera des vaisseaux pour démonter d'autres vaisseaux, etc. On fera des vaisseaux de combat pour aller défoncer les mecs que vous pouvez voir en rouge qui sont là-bas depuis avant. Voilà. Parce qu'ils se défendent, hein, on est d'accord, hein, faut pas déconner. Hein.
Et ensuite, on essaiera beaucoup de choses, on fera des différents trucs. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez par rapport au jeu, si vous voulez en voir plus, oui ou non. Et à ce moment-là, je penserai à faire une série là-dessus ou des épisodes comme ça, par-ci par-là, de temps en temps. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous dis bon vent sous la pluie, hein. Pendant que moi, je suis au soleil là, ça me fait plaisir. Dernier jour pour moi pour enregistrer d'ailleurs, accessoirement. Donc je vais essayer de faire un max aujourd'hui et je vous proposerai les épisodes et bien ce soir, les premiers épisodes vacances pour ma part ce soir, et on verra ce que ça donne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, et moi je vous fais des bisous, ciao tout le monde, merci beaucoup.